Yo tout le monde, c'est Thursgamer 49 au compagnie de Rafa Goda pour la partie 2 de The Light. Ouais. C'est parti. On s'est arrêté. On a enchaîné un peu les épisodes là. Ouais, là on vient d'enchaîner. Pourquoi il y a ma souris, voilà. On connaît pas du tout la suite. Putain, ça commence bien. Ok, sauvegarde encore. Oh putain, il y a le sauvegarde. Tu peux faire un, si tu veux. Le tribunal. Alors j'ai été accusé de meurtre de femmes et des enfants. Et... Oula. Oh, ça fait flipper sans la lumière du portable. Non, bah c'est bon, tu peux tourner. Là, tu peux. J'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Peut-être qu'on a dû faire la suite. Plus tard. Faites que ça s'ouvre pas, faites que. Yes, ça s'ouvre pas. Yeah, yeah. Là, des lampes là. Ah, cool, on va faire un petit peu le chargement. Il y a un truc bleu là-bas. Une petite note. Ah ouais. Nous comprenons qu'il est difficile de sortir dehors durant 10 minutes, cependant, ce n'est pas parce que la salle des archives est grande que ça n'est pas fort. C'est un grand lecteur. C'est bon, t'as fini? Ouais. Pour ensuite y grimper sans servir d'une tour de guet. Ah oui, j'ai vu ça dans une vidéo. Soyez prévenus. Il y aura peut-être des tours où il y aura des ghosts dessus. Des ghosts. Je suis pas sûr, mais je dis ça au pif. Bonjour! C'est quoi le but de cette partie? Je sais pas. J'ai pas vu après. Il y a une autre note. Ça fait flipper, il y avait un corbeau. Alors, mademoiselle Danielle a été retrouvée morte. Oh putain. Pardon. Dans ses quartiers ce matin, une lettre de suicide à ses côtés détaillant une forte détresse au travail. Dans sa vie personnelle, le personnel médical présent sur ces lieux a déterminé qu'elle est morte d'une hémorragie rapide, résultat de lacération. Auto-infligé au poignet, son corps a été retrouvé assis sur une chaise roulante. Oh putain. Ah putain, c'est trop, on va l'avoir en fauteuil roulant, elle va se balader. En attendant, la police encore est tombée. Ce cas est toutefois étrange, similaire à d'autres. On va l'avoir en fauteuil roulant. Oh putain. Oh non, mais non, je peux pas. Eh, non, eh, pas de petite fille, pas de petite fille. Je peux pas, mec, je peux pas. Vas-y, je peux pas, mec, je peux pas. Continue. Et non, je peux pas, mec. Oh my god. Ah putain, mais non, pas une petite fille quoi. Et ça se trouve, elle va arriver à la partie. T'es sûr que c'était une petite fille? Ah, c'était une petite fille, elle courait, mec. Une petite fille. J'aurais dit un peu. Je sens pas. Sortait des chiottes. Je sais partout, je sais plus quoi faire. Je flippe. Il y a un screamer, j'arrête tout. Hein. Je fais. J'arrête la fuite en vidéo. Un citoyen de New Kefling accusé crime, fille de 16 ans. Ah, tu vois, c'est la fille. Terrorisé. Oui, en fait, ils ont coupé des mots. Je vais essayer de tout faire. Des citoyens accusés de crime par une fille de 16 ans. Non, autorisée à vivre. Et admet. Culpabilité. Mort par pendaison. Maléfique. Hôpital. Oh, ouvert pour lutter contre propagation de la maladie. Est-ce qu'on est aux États-Unis là, à ton avis? Ouais, je crois. Bah, New Kipling, non? Je sais pas. C'est un hôpital en tout cas. À 5 minutes, c'est à ton tour. T'es méga, je peux pas. Ah non, mais je peux pas, c'est une petite fille, non. Je t'en débrouille pas derrière moi. Oh putain, Nicolas! Oh, salope! Ah oh, putain, viens! Putain, elle avance! Je peux pas bouger. Voilà, regardez. Je peux pas. Oh putain, merde. Bonjour, madame. Oh! Putain de merde! Oh la salade! Oh super, une note, j'adore les notes! Durant une ronde de nuit, l'infirmière Moriarty s'est aperçue que le patient 90D se tenait debout dans sa chambre dans un état agité. L'infirmière a affirmé que l'homme se frappait le visage. D'accord? Il faisait bon, dans un état agité. L'homme frappait le visage contre la grille protégeant la vitre. Elle a alors appelé à l'aide. Mais que les renforts sont arrivés, le visage du patient était couvert de sang et... Divagué à propos du visage dans des ténèbres. Le patient a été rapidement maîtrisé et amené à l'infirmerie où le médecin de garde a annoncé qu'il allait probablement perdre l'usage de ses deux yeux. Le patient n'a pas eu l'air affecté par la nouvelle. Transfert du docteur Mercer recommandé. On va se retourner, il y aura un truc. Non. C'est bon. La vérité peut-être. Rarement pure et jamais... Ah, j'ai pas réussi. Je crois que c'est rapide, mais. C'est bientôt 5 minutes, ça. Bientôt à toi. C'est quoi ça, là, le truc? Je sais pas, mais il y a une note là-bas. Note! Ah,
Vas-y, on y change les rôles. 5 minutes, ça fait 5 minutes. Okay. Désolé, ça fait 5 minutes. On y change toutes les 5 minutes si c'est pas fini. Allez, aïe, autour de Rafa Wada. Round 2. Allez. Bah. J'aime pas du tout. C'est moi qui me suis tapé les meilleurs trucs pour l'instant. Ouais. Je pense que je vais mettre directement les deux épisodes à la suite. Comme ça, je serai premier tubeur à avoir mis deux épisodes. Get the bag. Attends, tu prends la caisse et ouvrir, hein. C'est sûr. Ah oui, ouvre la caisse. Tu peux ouvrir, moi. Ouais. Oh putain de merde. Oh non, non. Fais espace, faut que tu fasses espace. Non. T'es sûr? Appuie sur. Oh. Attends, vas-y, regarde juste. Grimper. Ah, grimpe. De faire espace dessus. Yeehaw. Ah, je sens pas. Il y a quelqu'un qui va t'attraper les panards. Là, tu dois y aller. Vas-y. What? Ah, c'est bon, j'ai compris. Il y en a une là. Les caisses avec des cordes peuvent être bougées. Ah, faut que tu la bouges. Descends. Ah, ok. Ah non, c'est dire qu'il va y avoir un. Et ça se trouve, il y a des moments où il va falloir que tu cours et tout. Ah, mais c'est... ah oui, d'accord. Je sais pas comment t'as fait. C'est espace. Utiliser, c'est juste. Bah, le truc est grimpé. Grimpé. Ah. C'est quoi ce qu'il y a devant moi? Ah. Je vais où là? Je vais là. Bah oui, c'est logique. Vas-y, prends ça, c'est quoi? Le courant? Non! Putain! Oui, c'est le courant. Il y a encore une caisse avec les autres. Ah, je vais bouger. J'aime pas avoir cette caisse là. Allez, avance. Nique ta mère. Grimpe, grimpe. Putain de ta mère, il marche pas. Oh là là. Puis on arrête la vidéo à 10 ou 15. Ouais. 10 minutes la vidéo au pire. Voilà. 10 minutes une partie. Ouais. Je pense que c'est fini. Le mec, il va arrêter. Bon, nous, ça suffit. Oh putain, ça allumait là-bas. Vas-y. Allez, tu tombes pas, mec. Hein. Oh, je le sens pas là. Là, tu vas voir deux meufs apparaître et vont faire. Et que va faire un bisou. Ah non, c'est là où j'étais tout à l'heure. Tu dois faire quoi là? Attends, regarde autour de toi. Oh, attends, c'est quoi ça? Ah non, c'est bon. Oh, ça fait flipper. Regarde autour de toi. Est-ce que je marche sur ça? Bah, je sais pas. Elle a des grands pieds, non? On peut pas. Tu dois aller par là. Alors. Où on peut aller? Qu'est-ce que tu dois. Comment je pense que tu dois sauter pour aller là. Ouais, grimper. Ouais, parce que la porte elle s'est ouverte là. Okay. Celle-là, là, elle était fermée tout à l'heure. T'es sûr? Ah non, c'était celle qui était là, là, qui était fermée. Là, elle est ouverte, elle est ouverte. Mais non, ça serait vert si. Ouais, ça serait vert. Vas-y, descends. Non, saute pas, saute pas. À mon avis, ouais, t'as mis la caisse trop vite. Enfin, là, maintenant faut que tu descends et que t'ailles par là. Là. Si. Par là, il y a une note là-bas. Ouais, t'as raison. J'ai tout le temps raison. Bah oui, bien sûr. Ah, et puis il y a une petite fille, elle va faire. Coco. Ah, il y a un truc là. Il va chercher la note. Allez, boule. Putain, je comprends rien là. Non plus. Serait-ce bloqué? Serait-on bloqué? Ça se trouve, la porte, on peut l'ouvrir, hein. Vas-y, tente. Saute, tu t'en fous, saute. Hein. Au pire, tu sais par où revenir, donc. Donc, tu tentes. Non, vas-y, je saute. Et y a pas une échelle qui. Non, va sur le truc du tribunal là. Où j'étais accusé. Ouais, ça doit être là. Ça, je me rappelle. Parce que sinon. C'était il y a même pas 5 minutes. Enfin, peut-être 7 minutes. Allez. Sur la porte, ça se trouve, tu peux ouvrir. Hein. Ça, on ouais. Verra. Non, mais. Tu vas descendre. Nique ta mère. T'en vas voir, y a peut-être un truc par là. Là, il y a des petites lampiottes, tu as vu. Putain, mais il y avait une autre là, je crois. Oh, attends, il y a un truc là. Ah, tu peux appuyer. C'est bon, la porte est ouverte. Oh putain. Non, j'ai pas envie d'y aller en fait. Si, bah si. La nuit dernière, vers 19h, le courant a été coupé. C'est l'exclusion de l'établissement. En raison. Nous avons pas été capables de s'en sortir. J'ai été éduqué, il est mort. Et on se transfère dans la colonne de la porte de la sécurité pour éviter une telle. Tragédie dans le futur, l'hôpital a décidé que le personnel n'appartenant pas à l'entretien. Mis au courant, les portes de sécurité fonctionnent pas. Fonctionnent pas. Bah pourtant elles fonctionnent. Oui, bah non, parce que t'as allumé le courant, je sais pas d'où. Coupure de courant, vous devrez cependant réinitialiser le verrou avant de pouvoir utiliser la porte. Merci de vous familiariser avec l'emplacement des interrupteurs parmi les rangées des salles d'archives. Ah ok, il faut retenir les.
faut retenir les emplacements des trucs. Yef. Je sens pas là. Putain, d'où tu te fermes toi? Fermé. Y'a que ça. Ah, cours pas. Sauvegarde. C'est-à-dire qu'il va se passer un truc. Tu veux qu'on arrête maintenant ou pas? Vas-y. Bah. À moins que tu vas aller au bout du couloir. Ouais. Vas-y, ouais, va au bout du couloir. On va au bout du couloir. Il va y avoir un truc. T'entends les bruits de pas derrière toi? Ne te retourne pas. Y'a un truc là-bas. Je t'ai pas trop tourné. Même dans le trailer, il dit Don't look back. Bon, bah on va s'arrêter ici. Devant cette porte. Ouais. Hop. Quel suspense. Suspense, hein. Et on se verra ça dans la partie 3. Et puis, bah sur ce, les gens, on se voit à la partie 3. Ouais, à la partie 3. Allez, salut. Bye.